Comment avons-nous pu ne pas la voir? Ah, Sir Varian, merci d'être venu aussi rapidement. De quoi s'agit-il, Ronin? Je vous ai appelé pour vous demander votre aide. Nous poursuivons nos efforts contre le roi Lich. Mais Bran, que voici, a des nouvelles alarmantes sur les horreurs tapis sous Ulduar. Et son maléfique prisonnier. Prisonnier? Ha! Avec ses liens brisés, personne pourra l'arrêter. Il sera bientôt après nous. Et ça sera nous, les prisonniers. Vous voyez maintenant ce qui se dresse devant nous. Si rien n'arrête ce mal, alors les armées de ce dieu de la mort marcheront sur nos... Veuillez m'excuser un moment. Et alors, qu'est-ce que vous suggérez? Dral, que faites-vous déjà ici? L'appel semblait urgent, Jaina. Que s'est-il passé? Les troupes de Bran Barbe de Bronze ont attaqué les portes du Ulduar. Ils ont combattu les seigneurs de fer et leurs serviteurs maudits. Il ne cesse de parler d'une présence qu'il a sentie. Les salles en étaient imprégnées. Ça leur brillait la tête. Ça leur glaçait le sang. Il a dit que l'horreur enfermée par les titans depuis si longtemps. Yogg Saron s'est éveillé. Je veux voir ce nain. Garrosh. Voir la peur dans ses yeux. Alors nous saurons s'il dit la vérité. Non, non, attendez! Nous aurons besoin de toute l'aide disponible. Dral! Hein? Qu'est-ce qu'ils font ici? Laissez-moi vous expliquer! C'était bien l'odeur fétide des cochons de l'Alliance. Garde ton sang-froid. Tu veux mon sang? Viens le prendre, chien. Il est à moi. Nous avons tous perdu. Beaucoup dans ce conflit. Mais nous allons vraiment tout perdre. À moins de cesser le combat pour travailler ensemble. Un vrai chef de guerre n'aurait jamais collaboré avec des lâches. Au portail du Kourou, cette collaboration avec la Horde nous a causé plus de pertes que le fléau. J'en ai fini avec votre Horde. Que ce dieu de la mort vous emporte tous. Tu me déçois, Garrosh. Le dieu ancien s'amuse, se rit de nous. Qui nous rendra espoir? Qui pourra s'opposer à Yogg Saron?